Bien, bonjour à tous. Vous l'avez compris, l'actualité s'est un petit peu réchauffée depuis ce matin, aussi bien sur la, dans le sud de Basse-Terre, à Rivière-des-Pères, à l'entrée de la ville de Basse-Terre, au cours du CHU, puisque le BIC dit de résistance des grévistes a été démantelé à 3h du matin. On en parlera dans un instant. On parlera aussi de Masse Marron qui a fait un déboulé, malgré le préfet a dit que ça a été interdit, mais il était en larguer là. Et on fera un point aussi sur la mobilisation des animateurs extrascolaires. En ce qui concerne nos invités, on va parler avec, on va continuer notre tour des nouveaux maires avec le maire de la Désigrade. Il sera en direct avec nous au téléphone tout à l'heure, Loïc Tonton. Ensuite, Michel Mado, qui est conseiller départemental, président de la commission développement culturel et gestion du patrimoine, est avec nous en direct. Donc, on parlera de culture et de patrimoine avec lui. Ensuite, Kenny Chamougon fera, comme chaque lundi, sa chronique digitale for progress. Malheureusement, pour des raisons de Covid, eh bien, Jean-Luc Divial, qui était prévu aujourd'hui, ne sera pas avec nous, mais on pourra le retrouver probablement demain. Ce n'est que partie remise. Voilà. Est-ce qu'on est déjà en direct avec le maire de Désigrade? Non, pas encore. Donc, on va commencer tout de suite avec Michel Mado. Merci d'être avec nous, Michel. Bonne année pour, oui. Bonne année pour la culture. Ça n'est pas évident actuellement. Mais ça n'est pas évident, mais bon, c'est voilà là qu'il décide de résister, de subsister. Oui. Donc, naturellement, nous, que fait ça, il faut. Et surtout la santé, pour oui. Tout le monde, Guadeloupe, surtout la santé. Et voilà. Surtout la santé, principalement. Alors, oui. Au niveau du conseil départemental ou général, commission-là, puisqu'il y a quelque temps, vous nous avez parlé, de, premièrement, d'un certain nombre d'opérations qui allaient être faites de résidence sur les artistes. Est-ce que oui. Ça a pu se faire, finalement? Alors là, la phase, le projet a été élaboré. Là, on est dans la phase où on reçoit les candidatures. Donc, l'appel à candidature a été fait, les appels à projet. Et donc, c'est nous qui est peut-être point pistant. Oui. Par rapport à Covid là, nous qui avons piste pour postuler aussi. Mmh. Et aussi du fait que la collectivité là même en télétravail pour une grande partie, donc le traitement des dossiers, donc qui prend peut-être piste, nous qui est amené à repousser cette date là. Mais en tout cas, le projet là est déjà établi, déjà validé. C'est sur 4 sites. Alors c'est Fort Delgrèce, Fort. Fort Fleur d'Épée, oui. Et La Ramée et Beauport aussi. Donc et 4 Beauport. Sites qui appartiennent au département. Mmh. Au-dessus là, si chaque site, nous mettons un maximum de 10 artistes, toutes disciplines confondues. Donc c'est art visuel, danse, musique et théâtre. Mmh. Et répartition là comme ça. Donc les projets, les candidatures, nous avons sous voyau. Et sur 10 jours, les artistes vont performer à l'issue, il y aura une restitution qui nous est programmée date là. Mmh. Enregistrement, donc son manière aussi pour soutenir le milieu. Activité à yo. Activité à yo. Et l'objectif même. Le soutien, c'est pas financer pour financer, bailler l'argent, non, au contraire, c'est aussi parce que c'est des artistes, c'est des métiers à eux, quoi. Donc, ils ont engagé eux, si 10 jours à travailler ensemble, toutes disciplines confondues, Kenyon restitution, propriété intellectuelle à eux qui est respectée, parce qu'après Kenyon enregistrement, ils ont percevoir droit à eux aussi, et ça fait vivre les métiers satellites, les techniciens du son et de l'éclairage, et voilà. Donc, son bel projet, nous, arrive à Boutaille, et là, nous pouvons un webinaire justement pour expliquer les marches là, expliquer le projet là, et là, pour que nous puissions recevoir le maximum de candidatures. Quoi. Alors, Michel, la question qu'a posé et tout le monde qu'a posé, oui. Qui, Jean, a dans le contexte particulier à ça, organiser la culture en Guadeloupe, parce que, bon, on va dire, je dis ça, les artistes, il faut y vivre quand même. Il faut nous adapter modèle de développement culturel à la situation là. Mm-hmm. Est-ce qu'au niveau du conseiller départemental, j'avoue qu'il a raison de prendre. Ben, en résumé, mandature là, ça qui bien quelque part, c'est que nous arrivons en plein Covid. Ouais. Donc, nous pas ni à poser nos questions, faut nous faire et faut nous bien faire. Et nous bien garder hein, pendant les deux années qui passaient, c'est le bitin qui pas bien bouger, c'est ça, c'est au contraire, c'est l'intérêt à la culture et introspection là que Guadeloupéen là que peu importe l'homme avait lui-même pendant les périodes dites de confinement dur, eh ben il s'est retrouvé avec ce qui fait de lui homme, ce qui lui est propre, c'est-à-dire sa culture. Ça peut être la danse, ça peut être la peinture, ça peut être la musique. Et par rapport à ça, nous avons senti que vraiment la culture n'y a place à jouer de plus en plus pour ouvrir l'intellect, pour faire rêver et puis pour bailler l'espoir surtout et faire vivre ces pratiquants. Donc on se pose pas la question, il faut faire ou on fait. Donc nous avons réadapté nous par rapport à des contraintes dites sanitaires, c'est-à-dire le nombre des moons, s'ils sont en visio ou pas. Ça, c'est des réflexions nous qu'a mené, mais en tous les cas, il est hors de question que les artistes prennent piscine encore par rapport à ce contexte-là. Donc, nous qu'a baillé au maximum, quoi. Le projet des résidences, ouais. C'est
son projet en plus qui ça nous a fait, c'est-à-dire qu'il y a plus le fonds d'aide qu'elle nous fait aussi avec la région. Donc par tous les biens, nous qui garder gens pour soutenir la création artistique et les mondes qui a fait vivre quoi. Alors, par exemple les manifestations traditionnelles qui étaient le conseil général du département a été organisé, est-ce qu'elles se commettent par exemple Capron, Moi créole, fort en famille. Oui. Et c'est que obligation pour nous des voyants d'autres gens et de améliorer entre guillemets des trouvons solutions pour y quimber, pour y rester là et qu'il y ait une piste fausse qui s'est fort en famille, activité de café à l'entour créole aussi, en plus des résidences de création, ni d'autres résidences d'artistes que le conseil départemental Téja a fait, nous qui engagé nous éveil aussi, nous qui toujours engagé nous pour ça qui le patrimoine aussi et notamment nous avons investissement qui s'intègre à l'entour festival Groka aussi, et ainsi c'est plein opération où là le conseil départemental pas qu'à changer position, au contraire, c'est pour rassurer les mondes organisés et surtout le monde culturel, pour nous, ils pissent force encore. Donc, des fois, il y a des adaptations à faire, c'est pas spécialement évident, mais en tous les cas, on ne lâche aucun projet qui promeut. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons dit développement culturel, c'est vraiment pour ça. Parce que, bon, ni aussi un fameux musée Chevichère là, qui normalement, tout bien de Paris, directeur là, j'ai nommé, est-ce qu'il est inauguré? Et on a quand même posé aux questions là, est-ce qu'elle n'en a que resté? On dit que peut-être que tenions volonté de moufroiser non là, changer, alors que tout est un sujet à discussion. Après, dans la réalité, pour non là, nous pouvons engager nous si changer non en tous les cas. Mais c'est vrai qu'elles sont musées qui doivent être coupées en place. Et nous, il finit pratiquement ça. Oui, il finit. Donc là, nous, par exemple, et moi passé, nous fait l'acquisition d'un œuvre d'art aussi, de deux œuvres d'art, qui est dans le fond à Musée Chelcher. Là, donc, nous avons une réelle volonté en termes de politique muséale aussi, qui c'est Musée Chelcher, qui c'est Edgar Claire aussi, et même en termes patrimonial et vers les roches gravées aussi. Donc nous avons une réelle volonté de mettre tout le site en nous en avant, et vraiment qu'il y a une vraie collaboration avec les commissions éducation aussi, comme il y a des patrimoines, comme des Kilti, donc c'est ça qui a fait Guadeloupe, ça y est. Et histoire Guadeloupe aussi, à l'entour, toute discussion nous pénit à Sichelcher par exemple. Hein. Oui. Donc nous avons une vraie réflexion et nous avons engagé nous à, de manière méthodique à mettre tout ça qui est en nous devant. Quoi. Oui. Donc ça prendra un temps, certes, mais ça se fera. Bon, alors ça signifie qu'il va y avoir une nouvelle dynamique au niveau culturel, au niveau du conseil départemental. Il va y avoir un visio d'année qu'il y a déjà. Oui. Il y a déjà depuis le début de cette mandature le fonds d'aide. Par exemple, qui est fait en mutualisation avec le conseil régional, c'est déjà une preuve. Les résidences, les créations de résidences artistiques aussi. Maintenant, cette volonté de politique muséale, de mise en avant, de travail en manière plus concertée, ça aussi, c'en est une autre. Par exemple, l'engagement qu'on a de promouvoir l'arrivée des premiers Indiens, en tous les cas, comme événement clé aussi, de l'inscrire dans notre politique aussi patrimoniale en Guadeloupe, ça aussi, c'est un projet qu'on a validé. Donc, il y a une volonté, il y a un dynamisme qui est à saluer, il y a une volonté fraîche et de faire valoir ce que nous sommes. Quoi. Oui. Alors, je crois qu'on va entrer en direct là, Jordan. Oui. Ils vont charger là. Voilà, on vous l'a dit depuis ce matin, donc 3 heures du matin, je le répète, les forces de l'ordre ont démantelé le BIC de résistance, comme il était appelé, des salariés qui ne travaillent pas, d'ailleurs des non-salariés actuellement de l'UTS-UGTG. Et il y a une réplique de ces organisations, puisqu'elles ont appelé à une mobilisation devant le CHU. Mais pour l'instant, à relais en direct là-bas,
Ah, c'est Michel, finalement. Ah, c'est, bon, c'est Michel. On va revenir. Jordan, tu m'entends? Ok. Bah, nouveau flash. Nouveau flash info de Pape. Merci, Jordan. Nouveau flash info de Pape. Comme vous pouvez le voir, la configuration a changé. Là, il y a une sommation qui a été donnée par le commandant de police. Et là, maintenant, les gendarmes se sont mis en ordre de bataille, si je peux dire ça comme ça. Et comme vous pouvez le voir, toutes les personnes mobilisées se sont mis de l'autre côté. Au milieu, il y a le CHU. Alors, comme la sommation a été donnée, je ne sais pas quand est-ce que ça va commencer. Mais vous pouvez le voir que les canons au niveau des forces de l'ordre sont prêts à tirer. J'essaie de zoomer pour vous montrer un petit peu. Je pense qu'ils vont tirer du gaz lacrymogène. Ils sont en train de se mettre en position. Et de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, vous avez les manifestants. Voilà, ils avancent. Ils avancent, ils avancent. Vous voyez qu'ils sont tous en ligne. Voilà, la progression reprend. Ça se fait aussi de l'autre côté. Je t'entends Jordan, je t'entends. Jordan, tu es avec moi? Solide. Comme tu sens. Là, ça progresse. Je ne voudrais pas que ce soit encore le même scénario, mais je vois encore Elie de Motta en tête de mien. Vous avez les clés? Mon fils est à l'intérieur. D'accord, c'est bon. C'est bon. Pas de soucis.
Voilà, il commence à déblayer. Alors, il y a de ce côté aussi, hein. Il y a un véhicule en feu. Il y a un véhicule en feu. Bonjour madame, vous êtes en direct aussi? Bonjour, oui, en direct. D'habitude, c'est à Wall que je vois. D'accord. Donc les gens, deux membres du mouvement citoyen Moun Guadeloupe ont été blessés. Les deux porte-parole, Ludovic Tolassi, sa clavicule est déplacée et Yann Chipo a été blessé au visage. Il est actuellement sur le bloc opératoire. Moun Guadeloupe, gam, vini zot, descend, vini pour pays Guadeloupe. Voilà, c'était l'information de cette personne. Oui, je suis chargée de communication digitale au sein du mouvement citoyen Moun Guadeloupe GAM et Guadeloupéenne. Tu es à Moun Guadeloupe? Oui, je suis chargée de communication digitale, mais je suis avant tout et surtout une Guadeloupéenne, mère de deux enfants qui ne veut pas de la piqûre, qui ne veut pas de cette piqûre expérimentale, de ce vaccin expérimental. Ok. Ah, on voit qu'il y a un mouvement. Voilà, on voit des forces de l'ordre qui progressent. J'ai envie de dire une petite unité. Jordan, tu m'entends? Oui. Il n'y a pas de souci. Ok. Oui, je t'entends. Quand tu me parles, je t'entends. Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Tu as juste à me dire dans l'oreillette que tu es avec moi, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure, c'est des forces. Voilà, on reprend donc le cours normal de notre émission, puisque vous le savez, on a été interrompu par le direct des événements qui se passent au niveau du CHU. Je vous rappelle qu'on reçoit Michel Madou, qui sera avec nous au moins jusqu'à 13h15 environ.
puisque nous avons été interrompus. On va rejoindre le maire de Désirat dans un instant. Michel Mladou, alors, au niveau du patrimoine du conseil départemental, au niveau des structures, le fort d'Elgret-sur-Bastia, il est en réparation aussi, enfin, en aménagement, on va dire. Oui, quelques petits travaux, le fort d'Elgret. On a aussi le fort Napoléon, les Saintes aussi. Nous ni fort Fleur d'Épée, nous ni des beaux sites quand même qu'il faut nous payer et entretienne et surtout donner leur sens en termes d'animation aussi. Qu'est-ce qu'on peut proposer en termes d'animation pour le développement culturel justement. Donc les bonnes habitudes à prendre, les nouveaux réflexes, et je pense qu'on y est quoi. Alors Michel, vous allez être surpris par tellement de la question que je vais vous poser. Je l'ai posée déjà à 4 représentants de la culture au conseil général, jamais eu de réponse. Le fonds Napoléon, peut-il changer de nom, oui ou non? Parce que j'ai posé à l'époque à Brigitte Ward, avant ça il y avait avec M. Cancel, je ne me souviens plus qui était avant M. Cancel, et avant hier, enfin vendredi, j'ai reçu M. Boudet, le maire de Terre de Haut, qui m'a dit que lui n'était favorable à ce changement, même si le Napoléon en question n'est pas Napoléon Ier. On sait bien que Fort Napoléon a été créé après Napoléon Ier, etc. Et pour les afro-descendants, pour eux, beaucoup aujourd'hui disent que entre guillemets, c'est une insulte aux Guadeloupéens d'avoir un fort qui s'appelle Napoléon en Guadeloupe. Alors, est-ce qu'au Conseil général, c'est une question qui peut être en discussion aujourd'hui? Forcément, il n'y a pas de tabou. À ce niveau-là, ça n'a pas de bon tabou. Et le fait de se poser, c'est pour ça que l'ordre dit qu'on a une question sur le point. Après, qu'à attendre d'autres questions. T'as là pas qu'à suivre au point de main. Dans l'absolu, tout est possible. Oui. Tout est possible. Je me souviens, on avait un débat sur la tombe de riche, je pense aussi, si c'est au fort. Oui. Dans l'absolu, oui, tout est possible. Il peut changer de nom. Maintenant, c'est est-ce qu'elle nous veut changer de nom? Les Saint-Trois ne veulent pas. Les Saint-Trois ne veulent pas. Oui, les Saint-Trois ne veulent pas. Alors, moi, en passant, une question qui faut nous accrée aussi. Fort, là, ça, il appartient au département, ou bien à l'association des Saint-Trois qui a géré. Au département. Voilà. Donc, si nous avons une impulsion, on à faire, ça peut passer des deux côtés. Oui, mais forcément, nous avons une réflexion, pas ni dictat. Donc, il y a une réflexion et il faut donner du sens. C'est-à-dire que si nous prenons l'idée, si nous avons une décision politique, il faut y valider, avec en plus grande concertation possible. Tout à fait. Mais aussi, il faut qu'on donne les bonnes raisons. Et je pense qu'il faut de la pédagogie dans tout ce qu'on fait. Et fait changer de nom pour changer de nom, ça n'a pas d'intérêt. Oui. Maintenant, changer de nom, pourquoi? Et on essaie d'avoir la plus grande adhésion sur le projet. Oui. Donc, pour moi, pas ni tabou à si ça. Bon, alors autre question. Napoléon, qu'on cite d'autres questions encore, on n'a pas ni pas pour les manuels. Alors, autre question. Entre le Conseil général et le Conseil régional, il y a eu un plan de convergence. Oui. Bon, c'est un engagement. Au niveau de culturel, comment ça s'exprime concrètement pour les gens qui nous regardent, les gens qui savent bien que faut des subventions, est-ce qu'il y a plus ou moins, ce sera fait de manière intelligente, j'ai envie de dire. Là, la première preuve, c'était le fonds d'aide, le fonds de solidarité, où là, les deux collectivités se sont investies à part égale, c'est-à-dire 300 000 régions, 300 000 départements. Et les études même des dossiers ont été faites par les deux administrations, que je tiens à saluer, parce que c'était un vrai travail. Ça a été conséquent, nous étudier 201 demandes. Oui. Donc, en fait, à niveau-là, ça, c'est déjà une première preuve de travail, de conjoint, une mutualisation des réflexions même et des financements de ce fait. Après, de manière beaucoup plus large et beaucoup plus attendue, nous avons d'autres mutualisations, c'est-à-dire qu'il faut un vrai schéma sur toute la Guadeloupe, en termes d'infrastructure, mais en termes de fonctionnement, les besoins de la Guadeloupe, en termes de développement culturel. Oui. Chaque ville, Pépani, on salle des spectacles qui est fait même bitin là. Oui, chaque ville, mais nous, quand ça va la culture, ça va la poule, l'espoir, plein d'autres bitins. Il faut vraiment aujourd'hui l'impératif, et avec des problématiques comme celle du Centre des Arts, comme le MACT, je crois qu'on y est en plein dedans. Je dis là, qui schéma nous veut pour la Guadeloupe? Nous, ni les MACT, nous, ni. Casa et Jacqueline et Toll et Yves. Jacqueline qui est, et la région est signée, donc une propriété là, et ça rentre dans une vraie logique. Donc je dis, qui est schéma nous peut faire pour la Guadeloupe, les différents lieux, le rôle de chaque lieu, il est question de centre d'art contemporain pour la région, très bien. Oui. Le département a son projet de biennale, et auquel je suis très attaché aussi. Donc à ce moment, il nous appartient de travailler de manière concertée et intelligente. Oui. Et ça, son bitin, on veut dire, on n'a pas ni problème avec les structures, on n'a pas problème avec les hommes. C'est les hommes qui ont fait son bitin qui a fonctionné. Oui. Et la volonté y est, donc il faut la préserver aujourd'hui, qu'on ait un vrai... Il se trouve que le département est le plus grand propriétaire en termes de patrimoine, de fonds et autres lieux. Il nous appartient aujourd'hui de travailler de manière intelligente avec les autres collectivités. Quelle offre qu'on peut proposer, quel vrai schéma qu'on propose ensemble,
Et quand on est médias, nous avons rendez-vous avec nous-mêmes à six mandatures. Là, ça, hein. Donc, oui. pas ni point inquiétude à six, ça. Quoi. Alors, pour le centre d'action, pour le centre des arts, oui. Vous savez, son vieil dossier, on peut une douzaine d'années, ni mon cas occupé depuis plus de six mois, oui. Et il va dire que pour un responsable, que c'est pas avec nous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, je peux entendre les propos des uns et des autres. Personnellement, depuis le mois de février, j'ai interpellé la direction des services. Février 2021. Oui, février 2021. J'ai interpellé la direction des services à Cap Excellence, oui. Avec la présidente Faithful. Je fais partie de la commission culture à Cap Excellence. J'ai dit effectivement, il faut rattraper ce retard où il n'y avait pas de concertation avec le monde artistique même, où certains plans ont été faits. C'était du genre, on construit le pont, la rivière viendra après. On t'a dit, oh non, et ça sont les qui fait depuis non, 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 là, ils ont pensé des refaits sans des arts là. Ouais. On dit président Faithful, Bruno Pierrepont et Franck Neval, on dit il faut nous réfléchir en d'autres gens. Concerter les artistes, voir qu'est-ce qu'on attend réellement de ce centre des arts et qu'est-ce qu'on peut réellement proposer. Et on ne peut pas tout attendre de ce centre des arts, il faut nous être honnêtes. Tel qu'il avait été conçu, sa reconstruction a été programmée en 2010, le monde a changé autour. On ne peut pas avoir les mêmes attentes au niveau du centre des arts et forcément, il faut qu'il y ait un redimensionnement de nos ambitions. Redimensionnement en tous les cas, revoir ce qu'on attend de lui, revoir le financement qu'on est prêt à mettre, parce que là c'est de l'argent public aussi, et quelle organisation qu'on peut prétendre. Ou ni Centre des Arts, ou ni Sonis, ou ni Le Bact, ou ni d'autres petites salles à la pointe, Taré ou d'autres, ou ni Proto, Kayo Fezabim, Bemao ni Salaï, je dis là, quelle logique nous veut développer vraiment, il y a qui ils ont là ça, hein? En termes de développement culturel, ça aussi, c'est une réflexion. Il ne faut pas dire rien sur la scène nationale, ni la scène nationale. Mais plus loin, il bastait, mais lire. Mais, et pareil, la scène nationale, en tous les cas, aujourd'hui encore, qui a ouvert sa saison ce week-end, oui, oui. Avec le concert des Aiglons, ça a été une très belle manifestation. Tout à fait. Il y a eu toute une des travaux faits par France Relance. Tout à dans fait. Dans le cadre de France Relance, le département a mis la moitié de l'investissement encore. Et ça tient important que, la scène nationale n'y ait d'autres allures et n'y ait d'autres ballons. Mais je dis là, il faut la scène nationale avancer, il faut les MAC avancer à Mizia, il faut les centres des arts rouparettes à dans logique aussi, il faut ni des salles et en organisation des salles si la Guadeloupe qui peut permettre la culture vraiment développée de manière intelligente et concertée sur tout le territoire. Quoi. Parce que précisément, les organisateurs de spectacles qui sont en rade actuellement, mais ils vont dire que les pas de spectacle, que ce soit en spectacle musical, enfin, bien qu'on ait le cassaillé, ou en spectacle théâtral, il faut organiser une tournée. Oui. Est-ce que ni suffisamment de lieux, de côté, où là, l'union en spectacle musical, qui ont show, qui ont un show de danse, etc., organiser ça, et c'est ça qui va être organisé. Et d'autant plus que nous, notre difficulté, c'est que nous avons un problème de calendrier. C'est-à-dire, pendant un tel qui a fait ça, un tel qui a fait même bien là, de l'autre côté. Nous ne pouvons pas commettre ces erreurs-là, ça encore. Nous ne pouvons pas commettre ça encore. Nous avons un problème de lieu, nous avons un problème d'organisation des lieux, si en plus, si les calendriers. Et de calendrier. Nous pas cohérent. Moi, en tant que musicien, nous avons vu ça pendant que nous avons fait un concert au Sonis, à l'entour Guy Conquête et Gérald Lequel, à qui nous avons fait un concert et Centre des Sports Gosier. Ouais. Même jour-là. Bon, c'est des frères, on n'a pas de problème avec ça, mais je pense que dans l'organisation, de la programmation même, il faut qu'on soit un peu plus cohérent. Et, mais je dis là, en confiant, pourquoi? Parce qu'il y a une réelle volonté d'organisation en interne aussi sur le territoire. Mais la scène nationale, par contre, et ça, son discussion contre la PVG, Gérard Poumaou, pendant l'année, nous recevoir, mais nous pas exporter. Ouais. Et ça, et ces cahiers des charges en scène nationale, c'est aussi ça, c'est créer un réseau. Et vous voyez à l'extérieur, donc, oui, bien donc, si nous, il y a une équipe en monde l'autre bord pour faire représentation à en Guadeloupe, il y a un moment, c'est que. Nous pas bon. Oui. Donc là, il y a un engagement, il y a une nouvelle volonté à l'archipel, vraiment, de faire vivre la culture autrement et nos talents, nos représentations, nos créations, qu'on puisse les exporter. Donc ça, c'est quelque chose. Bon, de toute manière, le conseil départemental, lui-même, il a engagé vers la région et nous pas pensé que tous les PCI, les différentes villes qui joignent à réflexion à ça, pour nous, un vrai schéma guadeloupéen de la culture. Mmh. Qui genre et avons un calendrier réellement. Ben, on peut pas imposer le calendrier. Le calendrier intelligent, il appartiendra aux hommes, aux organisateurs et aux acteurs culturels d'établir. Parce que tout le monde est gagnant. Oui. Si nous faisons trois manifestations même jour, même période, là, ça n'a pas ni bon sens. Oui. Donc, faut nous préciser et que nous ayons un engagement moral, mais un engagement tout simplement intelligent, hein, pour dire qui genre nous concevoir la culture sur 3, 4, 5 ans en Guadeloupe. Quoi. Alors, nous parler de pratiquement Cap Excellence au niveau de la culture, nous parler de Basse-CEV, l'archipel et aussi l'auditorium et les autres communes. Alors, en cas de poser une question, là, d'abord, une question qui va concerner, tenions un projet dans salle Bima, où est-ce que projet là, ça, il est mort ou bien est-ce qu'il est ouvert? Il n'est pas mort, c'est-à-dire que.
On dit une salle pour faire une salle, ça n'a pas ni bon sens. Faire une salle de spectacle de 350 places, ça n'a aucun sens. Oui. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une salle d'une capacité assez importante, 3 000 à 5 000 places modulables. Pour rentabiliser un spectacle. Voilà, pour rentabiliser, et selon l'organisateur, oui. Et ça modulable. Donc, c'est-à-dire, si une des spectacles qui a fait des spectacles ou des grandes conférences ou des grands assemblées qui a fait 5 000 monde, il faut y avoir fait. Oui. Si après ça, son pièce théâtre ou n'importe qui d'autre représentation à 1 500, il faut nous moduler aussi. Oui. Donc, à BMAO, la réflexion est faite pour un centre d'enseignement aussi, qui peut-être va recevoir cette salle à 5 000 places, ou 3 000 ou 5 000 places modulables. Donc ça, c'est une réflexion aussi, mais qui doit être intelligente. Nous n'ayons salle ciné-théâtre Lamantin. Si c'est pour faire d'autres salles à 300 places encore, BMAO, ça va ni pour sens. Oui. Lamantin, Janitaille, Capestène, Niantisal aussi. Et en plus, à BMAO, nous avons ni local à 150 places aussi. Oui. Donc ça va ni pour sens, vraiment. Et nous ni bibliothèque là, qui lit qu'à une centaine de monde aussi. Oui. Donc on est vraiment dans cette réflexion, et BMAO a son projet aussi de grande salle. C'est un projet BMAO aussi, ou c'est un projet du conseil départemental? Le foncier d'Abémao, mais son projet guadeloupéen. Oui. Ouais, pas mal. Ouais. D'accord, ok. Voilà, donc son vrai projet d'enseignement aussi artistique, son pour le supérieur, hein, c'est-à-dire qu'il va recevoir les enseignants. Si tu veux, c'est pour promouvoir un c'est peu. C'est un petit zénith, en l'excellent. Fait. Non. C'est vraiment, c'est un pays dit l'excellence, ni l'élite, mais c'est le niveau supérieur. Oui. Le tout venant peut être géré par les associations qu'on a faites aujourd'hui. Oui. Jour. Mmh. Et après, là, au niveau supérieur, il faut opérer ses voix, les 5 meilleurs plasticiens de Guadeloupe. Il faut former les 5 meilleurs plasticiens, les 5 meilleurs musiciens, batteurs, saxophonistes, pianistes, 5 meilleurs cinéastes, réalisateurs, 5 meilleurs danseurs. Et ça, aujourd'hui, je voulais nous donner des expertises. Quand à l'ENA Blue, par exemple, nous doit être qu'on se voit en lieu comme ça. Et vrai, qui gens nous a réfléchi en d'autres gens pour ce niveau supérieur. Et le conseil départemental à l'aise dans ça, dans logique de ACAIO, d'enseignement artistique et culturel. Je dis, je ne peux pas concevoir la culture comme du saupoudrage, c'est-à-dire financer des petites opérations par là. Et lorsque je disais un schéma sur 3, 5, 6 ans, c'est vraiment ça. Comment on conçoit ce développement culturel, comment on conçoit l'enseignement artistique et culturel en Guadeloupe, en prenant appui sur les forces vives, qu'elles sont les associations, les écoles municipales ou autres, ou même les autres écoles privées, et vraiment avoir un vrai schéma, quoi. Donc, il y a une véritable réflexion sur la question culturelle guadeloupéenne aujourd'hui. Totalement, totalement. Mais je pense qu'on a, on a déjà trop épuisé le temps de réflexion. Oui. Aujourd'hui, il faut s'asseoir et construire réellement, quoi. Il n'y a qu'à penser que nous, on l'a là, ça, aujourd'hui, là. Alors, parce que ça, quand on entraîne en compétence, on met la question de l'illettrisme qu'a posé toujours. Parce que pour moun peut venir lire à nos bibliothèques, à nos médiathèques, pour au moins savoir lire. Alors, il peut continuer l'apprentissage à la bibliothèque, là. Oui. Son relais. Et là, et le département très à l'aise dans ça, on parlait des compétences, mais en termes de lecture publique, par exemple, nous avons un gros axe lecture publique et conseil départemental. Eh bien, sans sens-là, ça, il faut nous travailler avec le maximum de l'école et consolider les bibliothèques qui sont en nous, ni la MECA, ni la bibliothèque départementale aussi, et enrichir les fonds, travailler en collaboration avec les autres bibliothèques sur le territoire, travailler en partenariat avec les écoles, et on sait que nous, les bibliothèques BMAO aussi, qui n'ont antifos, qui pas négligeable. Et c'est en ce sens-là, ça, il faut nous redorer la lecture publique en Guadeloupe. Nous sommes pays écrivains, nous sommes pays intellectuels, il faut nous pédir ça aussi, nous pas des sportifs, nous aider des intellectuels. Eh bien, je dis, je vous fais la lecture publique, vous prenez toute place en Guadeloupe et le conseil départemental ancré, engagé, à Goumé, en sens là, ça aussi. Quoi. Parce que tu as un salon du livre, vous savez ça qui disparaît. Oui. Et... Mais qui est viré. Entendre comme président Nelson mettre ça en avant aussi. Donc, je dis, je vous, c'est vraiment ça, qui j'en nous qu'à travailler ensemble et alentour à la lecture publique. Un pays qui a fait tout ça, grand écrivain, nous ne pouvons pas balayer de revers comme ça la question de la lecture publique et l'illettrisme, ni toute place à dans ça aussi. Redonner le goût au livre, redonner le goût à la lecture, c'est un peu notre mission. Quoi. Alors, quand on casquette en tête, on va prendre casquette à musicien là, quand même. Oui, il est toujours là. Est-ce qu'il a arrêté, fait Michel Madou, musicien, pianiste, ça finit pour non, trois pas ans du tout, pas du tout. Au contraire, et c'est ça qui a bon, il faut continuer à dans les autres activités campagnes. Et là, j'ai recommencé depuis peu la composition. Ouais. Et de nouveaux projets discographiques et toujours en phase avec ça qu'à vivre et ça pays en moins qu'à vivre quoi, ouais. Notamment dernière question là, oui. Là c'est Obéma Oussien. Quand il fait pour Gérard Lequel, il là, c'est là qu'il est mort, quand il y a que tant de parler d'elle. Non, ça vient sans Gérard Lequel, ça. Oui, continuons. C'est le minimum qu'on doit à Gérard. Et je t'ai parlé d'école pour l'enseignement supérieur aussi, où là forcément la question
du nom local se posera aussi. Un peu engagé m'a dit ça, parce que Gérard, c'est ton référent, si la Guadeloupe, de manière très large aussi. Musicalement pour aussi. Pour moi, oui. De manière, c'est le papa. Hein, Gérard, c'est pas. Artistiquement, culturellement, identitairement, Gérard, c'est pas pour moi. Ouais. Les syndicats, même guadeloupéens, je dis, qui ne parlent pas, qui défendent la Guadeloupe, ils ont doué Gérard Lockel en l'eau. Oui, le mouvement patriotique doit beaucoup à Gérard Lockel et bien d'autres. Si aujourd'hui les Guadeloupéens font de la musique, c'est grâce à Gérard Lockel. Si des artistes guadeloupéens sont ancrés dans une idée identitaire ou dans une volonté identitaire, c'est grâce à Gérard Lockel. Tout ça en fait artistiquement, rythmé et conditionné par affection Kéani et Gérard Lockel. Et Guy Conquête aussi, par exemple. Bien, ben, Michel Mado, merci pour premier venir en tant que nouvel élu. Ancien nouvel élu, c'est-à-dire que nous élus en juin. Nous allons virer en septembre, nous virer en novembre. Ouais. Et là, c'est bon, là, nous allons travailler vraiment. Quoi. Alors, ça nous demande comment on dit ça. Chaque fois, nous recevons élus, c'est l'année information, ben, oui. Vous y êtes devant. Mais et nous toujours parés à recevoir les autres pour, au niveau, en tout cas, au niveau culturel, pour la Guadeloupe, plus ballant et plus information à niveau là ça. Merci, Anlo. Merci d'avenir. En 13h13, on prend la première pause. On revient tout de suite en dire ah, on a monsieur Loïc Tonton. Eh bien, on va tout de suite partir à Désirade avec Loïc Tonton qui nous attend depuis un instant. Monsieur Tonton, bonjour. Oui, bonjour à tout le plateau, bonjour à la Guadeloupe et plus simplement bonjour à toutes les îles du Sud. Merci d'être avec nous. On vous a fait un petit peu attendre, mais vous savez, l'actualité, c'est aussi le direct de ce qui se passait. Alors, première question, dans quel état vous avez trouvé la commune de Désirade quand vous avez pris le pouvoir il y a un peu plus de 18 mois? Si nous parlons d'état, vous savez, nous pouvons parler de beaucoup de choses, sur le plan financier, oui. Sur le plan structurel, sur le plan structurel et financier. Bon, si nous parlons sur le plan financier, je dirais tout simplement que c'est une commune, une petite commune qui se porte bien en tout cas. Et voilà, il y a toujours beaucoup de choses à faire, mais en tout cas sur le plan financier, c'est une commune qui se porte bien. Ça veut dire que vous avez trouvé un bel héritage, comme on dit? Je ne dirais pas un bel héritage, puisque je dis tout simplement que dans une collectivité, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Et c'est vrai que l'idée n'est pas forcément qu'une collectivité soit excédentaire, en tout cas sur le plan excessif, mais en tout cas vraiment que cet argent puisse servir à la population et voir vraiment où sont les manquements, où est-ce que nous pouvons apporter un peu plus de choses, en tout cas sur l'aspect financier, pour aider nos concitoyens, nos administrés de la Désirade. Alors, Loïc Tonton, il y a deux questions un petit peu essentielles pour la Désirade, c'est le transport. Est-ce qu'au niveau des rotations des bateaux entre la Désirade, Saint-François, la Désirade et la Guadeloupe de manière générale, est-ce que ça va mieux ou bien est-ce qu'il y a toujours autant de difficultés? Ça va quand même bien mieux. Il faut quand même savoir que la problématique de transport n'est pas forcément due qu'aux transporteurs. Malheureusement, nous avons... et nous sommes l'une des communes les plus touchées en matière de sargasses. Et c'est justement sargasses qui complique énormément les choses, puisque ça abîme aussi les moteurs du transporteur. Et permettez-moi aussi, pendant que je suis en antenne, de quand même saluer l'armateur, le jeune armateur de Lille, M. Saint-Touré, qui fait avec ce qu'il a, parce que malheureusement, nous sommes très touchés par les sargasses. Et comme je vous ai dit, ça occasionne beaucoup de pannes pour cet armateur, donc il est aussi important pour décideurs publics, hein, de pouvoir apporter un soutien pour cet armateur, de voir qu'est-ce qui est possible de faire, mais bien entendu, c'est vrai que aujourd'hui, la Désirade a une desserte, et je pense très sincèrement qu'il serait bien, dans les mois à venir, dans les années à venir, de pouvoir faire un travail de façon à ce que Désirade ait plusieurs dessertes, hein, puisque nous avons les capacités. Nous avons aussi des arguments pour nos visiteurs, mais je pense que la priorité, c'est surtout pour nos administrés de créer vraiment cette continuité territoriale, même quand on a beaucoup de sargasses sur le territoire. Alors, il y a un autre secteur que vous connaissez particulièrement, c'est celui de la pêche. Comment se porte la pêche à la Désirade? Puisque je sais que souvent la Désirade devait exporter son poisson, même jusqu'en Martinique, puisque vous étiez parmi avec les Saintes, peut-être les meilleurs pêcheurs de l'archipel. Est-ce qu'à ce niveau-là, on sent toujours cette même impulsion au niveau de la pêche? Bon, déjà, dois-je déjà rappeler que quand même... à titre d'information, que Désirade se trouve être comme le premier port de pêche, en tout cas en termes de production, mais aussi en termes d'effectifs. Oui. Je suis, sans manquer de respect aux autres ports de la Guadeloupe, puisque je suis aussi vice-président
du comité régional des pêches. Je sais que voilà, tout un chacun faisons le maximum. Mais c'est vrai que je vais quand même rappeler que le problème d'écoulement de poissons est dû à beaucoup de facteurs. Vous savez, nous produisions beaucoup. Il est entre 40 et 50% de la production locale guadeloupéenne. Oui. C'est vrai que lorsque nous avons beaucoup de poissons de pêcher, il est très difficile de pouvoir écouler cette pêche. C'est pour ça que bien souvent, la Guadeloupe, ou plus singulièrement la Désirade, faisait appel à la Martinique pour pouvoir justement écouler ses poissons. Oui. Donc, ces jours-ci, nous n'avons pas forcément cette problématique, puisque voilà, avec le Covid, ça a aussi engendré des pertes d'exploitation, de pas forcément travailler toute la semaine, puisqu'il faut laisser le temps aussi aux marieurs d'écouler le poisson. Donc il y avait une certaine compréhension entre les pêcheurs, je dirais, qui sont sur l'eau en permanence, mais aussi les marieurs qui écoulent le poisson sur la Guadeloupe. Donc en ayant cette compréhension, ça a permis d'une part de ne pas avoir trop de production et bien entendu de trop de poissons sous les bras des marieurs. Au niveau du lambi, par exemple, la Désirade, comme on dit, fait le job. Oui, la Désirade fait le job, mais vous savez, je reste celui quand même qui dit que nous devons quand même préserver cette denrée, la lambi. Le lambi est un mollusque qui prend beaucoup de temps à se reproduire. L'année dernière, il n'y avait pas eu de pêche de lambi, hein, il faut le rappeler. Mmh. Et c'est vrai que cette année, nous avons quand même constaté qu'il y a une production beaucoup plus positive que l'année dernière. Donc ça montre que l'année que c'est resté un peu en réserve, si je peux m'exprimer ainsi, nous avons un petit surplus. Donc c'est pour ça que je veux vraiment attirer l'attention sur ce mollusque. Nous, marins pêcheurs, je dis bien nous, marins pêcheurs, nous devons le protéger de façon à permettre nos enfants demain de savoir c'est quoi un lambi, mais surtout de faire subsister l'espèce sur les années à venir. Alors, la Désirade avait participé l'année dernière au concours du meilleur village de France. Bon, vous n'avez pas gagné. Mais du point de vue touristique, quelle est l'offre aujourd'hui, depuis que vous êtes là, que vous allez mettre en place ou vous allez élargir? Parce qu'on sait qu'à la Désirade, il y a des résidences, enfin mais il n'y a pas d'hôtel réellement. Est-ce qu'il y a un changement dans votre logistique au niveau de l'accueil, ou bien est-ce qu'on va rester toujours avec ce qui existe déjà, avec l'existant à la Désirade? Alors, je vais déjà dire que, pour moi en tout cas, pour les élus qui ont contribué, pour les socioprofessionnels qui ont contribué lors de notre nomination dans ce concours, hein, plus beau que la préfecture des Français, on n'a pas été premiers, mais en mon sens, nous avons gagné, puisque nous étions quand même dans les 16 villages retenus. Nous avons terminé 5e. Oui. Donc c'est pour moi une très grande victoire. Ça a permis à Désirade de se faire connaître au national, de représenter les ultramarins. Et vous savez que les ultramarins, c'est vraiment beaucoup, c'est un beau groupement d'îles. Donc moi, je suis très fier à ce niveau. Et même si nous n'avons pas eu la première place, mais pour moi, c'est quand même place. Et pour moi, synonyme de gagne, je dirais. En tout cas, c'est vrai que malheureusement, avec le contexte sanitaire, ça a compliqué les choses, puisque vous savez, en temps normal, sans ce contexte sanitaire, sans ce virus qui nous embête en permanence, nous aurions pu faire beaucoup plus de choses, nous aurions eu un impact direct, en tout cas en termes de visiteurs, et malheureusement, ça complique les choses. Mais en tout cas, nous avons un très bon retour de nos visiteurs. Et petite anecdote, oui. Des visiteurs qui viennent sur l'île et qui nous disent qu'ils sont là parce qu'ils ont justement vu le reportage, ils ont su que Désirade était là grâce à ce reportage. Donc ça montre quand même qu'il y a du positif. Et il faut quand même être clair là-dessus que ce contexte sanitaire n'arrange pas les choses. C'est plus compliqué pour nos visiteurs de venir comme ils le souhaitaient. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, je suis content à ce niveau. Et au niveau touristique, à ce niveau, nous travaillons avec l'OTI, avec la CAR, où nous faisons un travail formidable, en tout cas en termes de visibilité, en termes de publicité de l'île. Et ça commence à marcher, malheureusement, comme je le dis, et je me répète, hein, oui. il ne faut pas se voiler la face. Ce contexte sanitaire pose un vrai problème, en tout cas, sur l'île, pour l'accession des visiteurs sur l'île. C'est ce qui a empêché la fête du Cabri l'année dernière? Pas que l'année dernière, l'année d'avant aussi. Hein.
En tout cas, nous restons quand même vigilants, puisque en tout cas, nous, nous, nous organisons la fête, nous organisons cette année. Malheureusement, à chaque fois, nous nous retrouvons dans l'obligation de repousser, puisque le contexte sanitaire oblige. Mais en tout cas, voilà, c'est ce contexte qui pose problème et qui fait qu'à chaque fois que nous sommes obligés de repousser ou même d'annuler cette fête. Oui, alors bon, il faut qu'on parle un petit peu quand même politique, puisque vous êtes maire élu. Est-ce que les petites querelles avec Jean-Claude Poche sont terminées? Est-ce qu'au contraire, c'est désormais entre vous deux la guerre au total? En ce qui me concerne, personnellement, je ne me suis jamais arrêté là-dessus, puisque j'estime qu'il n'y a jamais eu de querelle. Ce n'est pas parce qu'une personne a cherché à quereller avec vous qu'il faut certainement le quereller aussi. Je pense qu'il faut être plus large à ce niveau, il faut être plus intelligent. Et je pense qu'il faut surtout se rappeler que la mission d'une équipe, la mission de maire plus singulièrement, et de faire ce qu'il a promis à la population, être là, être dans l'intérêt général, de faire le travail. Et c'est ce que je m'attelle à faire avec mon équipe au quotidien, c'est-à-dire bon, travailler pour la population. Et je pense que ça se voit à tous les niveaux. Et permettez-moi déjà de rebondir là-dessus, de remercier bien évidemment le conseil départemental, mais aussi ma conseillère municipale Sabina Roubin, qui fait un travail formidable puisqu'elle est conseillère départementale du canton numéro 16, hein, oui. C'est le président, et où nous avons pu justement intervenir au niveau de la route, puisque la route qui était un vrai problème pour la Désirade. Voilà, pour vous donner un peu un exemple de travail au quotidien, nous ne nous arrêtons pas aux querelles qui ne rapportent rien du tout au territoire, mais bien au contraire, nous avançons. Et ça n'a pas un peu fracturé votre majorité quand même, tous ces petits conflits? Ben, vous savez très bien que oui, puisque ça, à un moment donné, ça a fait les médias, ça a fait... il y avait des petites frictions. Moi, tout simplement, je peux tout simplement appeler au calme, appeler vraiment à se remettre au travail, appeler vraiment à faire ce dont je viens de dire, hein, travailler pour notre population, parce que c'est ce qu'on a promis en juin 2020, hein, à notre population, de travailler pour elle. Donc je pense que c'est comme on peut bien le dire, cette querelle politique, hein, si je peux m'exprimer ainsi, puisque c'est le terme que vous avez employé tout à l'heure là, de laisser tout ça de côté et avancer. Je pense que nous sommes là pour une mandature, c'est 6 ans. En ce qui me concerne, il reste un peu plus de 5 ans. Donc c'est faire le travail, développer le territoire, rendre beaucoup plus attractif, ou du moins faire le maximum pour rendre plus attractif le territoire, malgré ce contexte sanitaire qui n'arrange pas les choses. Alors c'est l'avant-dernière question. En ce qui concerne la Désirade par rapport à votre programme électoral, quels sont les projets que vous pensez mettre en place au cours des années qui viennent, puisque vous avez déjà pratiquement presque 2 ans, il reste encore quelques années de mandature. Qu'est-ce qui risque de changer à la Désirade? En tout cas, il y a des choses qui me tiennent énormément à cœur. Hein. C'est l'approvisionnement en eau potable. Vous savez à quel point la Guadeloupe, mais aussi, je dirais même plus singulièrement, les îles, en tout cas en ce qui concerne la Désirade, a beaucoup souffert par rapport à ça, hein, puisque nous sommes en bout de ligne, en bout de course. Donc déjà qu'il y a beaucoup de problèmes sur la Guadeloupe en termes d'approvisionnement en eau, mais la Désirade, c'est encore pire. Alors c'est vrai que j'ai vraiment à cœur, et je le dis publiquement, de pouvoir... installer enfin une usine de dessalement. Eh bien, en ce qui concerne le projet de Désirade, c'est une usine solaire, c'est-à-dire vraiment utiliser les énergies qui sont à notre disposition, que nous avons, pour pouvoir permettre de donner tous les Désiradiens et Désiradiennes de l'eau en continuité dans le robinet, sans pour autant attendre ou être victime des problèmes du territoire, en tout cas. Je vais de la Guadeloupe, les problèmes qui peuvent être banals, mais en tout cas, nous sommes clairement impactés. Et c'est vrai que j'ai beaucoup vu les Désiradiens souffrir de ça, nos aînés, nos personnes âgées. Et c'est vrai que je tiens vraiment à cœur avec mon équipe de pouvoir installer cette usine. Oui. Et bien entendu, j'ai actuellement le soutien de la CAR, le soutien aussi de la région, le président Charlus, qui nous a promis de vraiment nous aider à ce niveau. Et le jour où ça fera, en tout cas, le jour où cette usine sera implantée sur la Désirade, je serai très content, et d'autant plus content si vraiment
cette usine, on a vraiment un retour sur investissement, c'est-à-dire qui donne de l'eau vraiment en quantité et en qualité à nous des Irakiens. Ce sont vos derniers mots, puisqu'on va terminer l'entretien. Les vœux que vous souhaitez, puisqu'on est encore au mois de janvier, pour les Désiradiens, pour la Guadeloupe. Déjà, permettez-moi de rappeler qu'il y a beaucoup d'autres projets pour le territoire. Hein. Je ne vais pas énumérer, puisque le temps est un peu court. Mais déjà, en tout cas, en termes des souhaits, je voulais tout simplement souhaiter tous mes vœux de bonheur et de santé à tous les Désiradiens et Désiradiennes, mais aussi à tous les Guadeloupéens, puisque nous sommes... un seul et même peuple. Donc voilà, retrouver un peu de sérénité, retrouver un peu d'envie d'avancer, puisque nous avons que ce virus nous confine un peu plus, hein, nous rend on donne un peu la peur de l'autre, de notre voisin, alors qu'avant, nous étions plus en groupe, en solidarité, retrouver un peu plus de moments de convivialité entre collègues, entre amis, entre familles. Et nous permettre d'avancer un peu plus. Voilà. Vraiment que ce virus reste derrière nous et nous permette de retrouver notre vie d'avant. Ben, c'est Loïc, ce que je souhaite. Loïc Tonton, merci en tout cas d'être intervenu depuis la Désirade dans le ZCL News. Et puis on espère peut-être un jour vous recevoir en direct sur le plateau. Oui, effectivement. J'aurais vraiment souhaité être présent physiquement avec vous, malheureusement. Des réunions visio nous sommes obligés dans ce contexte. Oui. M'a pas permis d'être avec vous, mais en tout cas, ça sera un plaisir. Ça qui est fait. Ok, 13h28. Okay. Merci encore. 13h28, on prend la deuxième pause. On va se retrouver tout à l'heure pour développer le journal et puis rencontrer aussi, recevoir notre ami Kenny Chamougon pour la chronique digitale Fort Progress. C'est tout à l'heure. Voilà, il est 13h40, deuxième et dernière partie du ZCL News. On va recevoir dans un instant Kenny, bonjour. Bonjour à toi, bonjour à tous. Et tu n'es pas seul ? Non, jamais seul. Jamais seul ? Jamais, jamais. Alors tu es bien accompagné ? Cette fois-ci, deux personnes qui m'accompagnent, hein, donc oui. Ronnie et Mabrouka, oui. Et qui vont... Parler de Carnou. Carnou, voilà, c'est ça. Dans un quart d'heure. Non, je rigole. Voilà, il est 13h40, alors on va revenir à l'actualité. L'actualité, vous le savez, depuis ce matin, c'est ce qui se passe au CHU. Mais avant, samedi, il y avait déjà un comité qui se dit contre les violences au CHU, qui s'était mobilisé sur le MACT. Et donc, Alexandre Douver était sur place, on regarde son reportage. On a voulu être des hommes et des femmes debout au Memorial Act. Parce que nous refusons la terreur. On ne peut pas rester silencieux face à ce qui se passe au CHU. C'est trop grave. Si on laisse faire, finalement, c'est la porte ouverte à des dérives de plus en plus graves. Et c'est la porte ouverte peut-être à une Guadeloupe que nous ne voulons pas. C'est la relation de confiance que le public doit avoir avec l'hôpital. Et il faut souhaiter, espérer à tout prix que cette relation de confiance soit restaurée. Et notre présence ici, aujourd'hui, c'est pour dire que cette restauration est possible et est en marche. Nous avons été bien seuls pendant plusieurs semaines. On comprend les raisons, la peur, tout ce qu'on veut. Mais tant ça ne peut pas durer. Il faut bien que nous retournions au travail pour aller nous occuper de la cinquième vague. Donc on règle les problèmes de violence. Il faut que vous nous souteniez et ça suffit. Si on veut que nous soyons là encore, sans répit, à prendre en charge les patients Covid, mais il n'y a pas que le Covid. Il y a tout le reste et on sait l'impact de chaque vague Covid sur la prise en charge des patients qui sont atteints des autres pathologies. Alors, ça suffit. Bon, pour bien comprendre ce qui s'est passé samedi, il faut savoir qu'il y a depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, des soignants qui sont mis sous la touche, qui ne sont plus payés parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner. Et donc le président, le directeur du CHU a appliqué à la lettre la règle qui voulait que si on n'est pas vacciné, ben, on ne peut plus avoir accès à son travail ni à son salaire. Et donc il y a des dizaines, pratiquement des centaines même de Guadeloupéens soignants qui ne sont plus salariés au CHU. Ça a créé bien évidemment des colères et c'est
gens-là considèrent que c'est une violence. Alors, par rapport à ça, la semaine dernière, le directeur du CHU a été à son tour agressé à la sortie de ses bureaux. Ça a créé aussi une violence. Une semaine, quelques jours avant, c'est Doumouta qui avait été agressé par les policiers. C'est aussi une violence. Donc, on est dans une succession d'opérations de violence. Et donc, il y a un comité qui se dit contre la violence qui a appelé à une manifestation ce samedi devant le CHU. On l'a vu au début du reportage, il y a quelqu'un qui a voulu intervenir dans le cadre de cette manifestation. Eh bien, il a été gentiment et peut-être même un petit peu violemment repoussé puisque la parole ne lui a pas été accordée. Donc la situation reste un petit peu confuse et compliquée en ce moment et ne risque pas de se détendre puisque vous l'avez vu, ce qui se passe au CHU en ce moment est assez compliqué. Et à Bassé aussi, il y a des manifestations en ce moment même où les forces de l'ordre ont été obligées d'intervenir sous des barrages et Rivière des Pères est pratiquement bloquée en ce moment. On va revenir à des choses un tout petit peu plus joyeuses. C'est le déboulé des masses marrons. C'était ce week-end aussi, à Pointe-à-Pitre aux Abîmes. Le préfet avait dit pas de défilé, mais il n'y a pas tenu compte de ça. Il y a défilé quand même, on regarde. C'était ce week-end dans les rues de Pointe-à-Pitre et des Abbés Masmaron et à qui on n'a pas défilé. Ils avaient rendez-vous au local de Chauvel, mais ils ont averti. Si la situation est comme ça, il y a aussi Okeni à défiler dans la rue là. On y reviendra la semaine prochaine. Pour l'heure, on revient à notre chronique habituelle, Digital Fort Progress, et c'est parti pour le générique avec Kenny. On fera un concours des génériques un jour. On passe à ceux qui ont gagné. Il y en a qui sont pas mal. Hein. C'est vrai, j'ai vu. Tu as vu, ouais. Bon, alors, donc aujourd'hui, on reçoit deux personnes. Monsieur Abeli, comme tous les Abeli, doit être de Bouillante, j'imagine. Et Mabouka El-Karimi, fondateur de Carannou. Voilà. Explication. Donc, on est sur la thématique mobilité intelligente et écologique. Mmh. Et ce couple professionnel et couple d'affaires hein, sont initiateurs de l'application Carannou. Oui. Donc, ils vont déjà nous expliquer qu'est-ce que Carannou et en quoi cette application est en charge de répondre à cette thématique de la mobilité intelligente et surtout écologique. Honneur à... Oui. Anana Mabouka, elle va commencer par la femme. Oui. Bonjour. Merci de nous avoir reçus. Effectivement, donc,
Avant de parler vraiment de 40 nous, je pense intéressant qu'on revienne à la genèse. Qu'est-ce qui a fait qu'on a créé 40 nous? Donc, on venait souvent avec, avec Ronnie en Guadeloupe, puisqu'il y a effectivement de la famille ici, notamment à Bouillante. Et un jour, on s'est dit, pourquoi pas prendre les transports en commun au lieu de prendre la voiture? On s'est dit, bon, on va faire un geste éco-responsable, on va faire autrement. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était relativement compliqué. Effectivement. Donc, on en a également discuté autour de nous, à notre entourage, puisque c'est quand même un sujet qui nous intriguait. Mmh. Parce que, bon, on venait de métropole initialement, et puis on n'avait pas eu cette problématique-là couramment. Donc, on a discuté autour de nous, et puis c'est quelque chose qui remontait aussi de l'autre côté. Donc, on a également pris contact après avec la mairie de Bouillante et puis la CSBT, parce qu'on voulait vraiment comprendre qu'est-ce qui faisait qu'il y avait ce problème-là. Et effectivement, ils nous ont expliqué que ils étaient en recherche d'une solution efficiente, mais qu'ils n'avaient pas encore trouvée. Donc, étant donné que moi et Ronnie, on est, on va dire, des chercheurs, entre guillemets, dans l'âme, puisqu'à l'époque, je faisais un doctorat en sciences humaines, et lui aussi, il a tout le temps sur sa table de chevet des bouquins autour de la recherche en informatique, en mathématiques, on s'est dit, on va creuser. On va essayer de comprendre un peu, voilà, d'où vient le problème en Guadeloupe sur la mobilité. Et toutes les thèses convergeaient vers le fait que sur des territoires à faible densité de population, comme donc les Bouillantes, hein, et puis la majorité des villes du coup en Guadeloupe, des services de transport à la demande sont plus pertinents que des services de transport réguliers, tels qu'on le voit par exemple à Paris. À Paris, on peut mettre en place des services de transport qui passent toutes les 2-3 minutes. Ouais. Puisqu'on a des millions de personnes. Donc on a suffisamment de personnes pour remplir des bus, ce qui n'est pas le cas ici. Donc c'est là que finalement on a pensé à 40 nous. L'idée c'était de trouver le meilleur compromis entre ce que propose le taxi, c'est-à-dire des services en fait, un service qui permet d'avoir de la flexibilité, de la disponibilité, et puis également ce que proposent du coup des services de transport réguliers, donc qui permettent en tout cas d'avoir du volume, et puis aussi des tarifs assez accessibles. Puisque l'idée, ce n'est pas de proposer, comme les taxis, un trajet à 40 euros. Voilà, notre volonté, c'est vraiment de proposer des services, des tarifs accessibles à tous. Voilà, donc c'est ça l'idée. Oui, donc il faut comprendre que 40 euros, en fait, dans son principe, dans son approche, l'idée, c'est... On sait qu'en fait, en Guadeloupe, particulièrement en fait à Bouillante, puisque bon, pour exemple en fait Bouillante, hein, la plupart des habitants sont excentrés. Oui. On voit que les habitations en fait sont dans des petites ruelles, vraiment excentrées en fait. Donc par rapport au territoire en fait de Bouillante, c'est surtout en fait en côte, donc loin en par fait. Exemple, jusqu'à un village par exemple. Voilà. Jusqu'à village, en fait vous connaissez. Non, c'est rien, attention. Ouais. Donc l'idée en fait, c'est de te proposer un service de transport qui vienne chercher les gens quand ils le souhaitent, quand ils en ont besoin, et là où ils sont. D'accord. Parce que en fait, par rapport aux solutions qui étaient proposées, elles se concentraient en fait sur la nationale, et les gens en fait devaient se débrouiller en fait pour venir chercher, en tout cas récupérer en fait ce transport-là. Donc c'est ça en fait le principe en fait de 40 nous, c'est d'essayer en fait de te proposer un service, un système en fait de transport qui fonctionne seulement lorsque il y a de la demande, donc on coule pas tout le temps comme ça, et aller être capable d'aller chercher en fait les gens là où ils sont en fait. Et on sait qu'en fait en Guadeloupe en fait vu par rapport en fait au développement des habitations, ben souvent en fait. Mais ça a démarré sur Bouillante et va s'étendre sur tout l'archipel. On l'espère. Ouais. En tout cas. Oui, puisqu'en fait, bon, la problématique s'est posée en fait sur Bouillante et on a voulu d'abord traiter un problème qui correspond en fait à nos familles, nos proches, etc. Et puis après, l'idée en fait, c'est de travailler avec les collectivités et les transporteurs pour essayer en fait de déployer ça. Et donc, du coup, c'est ça, grosso modo, en fait, 40 nous. Et pouvoir développer ça, du coup, on a pris, en fait, un petit peu de Uber, en fait. Donc, c'est l'approche Uber, mais de façon collective, qu'on associe, en fait, avec une intelligence artificielle. Là, on rentre, en fait, dans le digital. Et puis, en fait, des véhicules électriques pour un aspect, en fait, éco-responsable, mais aussi pour des problématiques, en fait, de maîtrise de coût. Mais sur cette application, il y a déjà des initiatives qui ont été... Donc il y a une appli.
Oui. Il existe déjà. Oui. En fait, la plateforme existe déjà. Elle existe déjà, d'accord. Il y a eu des initiatives dans le passé et qui n'ont pas eu le résultat escompté. Comment vous allez faire pour faire que ça puisse réussir, hein? On connaît l'attachement à la voiture personnelle, on connaît les soucis de ce type d'application. Comment? Et j'ajoute même le problème même de ce qu'on appelle ici les transports en commun, c'est le problème des horaires. Si je veux aller à Bouillante à 19h, en mort. Hein. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible, effectivement. À Bouillante, aujourd'hui, c'est possible. C'est possible maintenant? Ah oui. Quitter moins d'habitat à 19h. Ah non, en tout cas, sur Bouillante, oui. Les gens arrivent à se déplacer. De Thomas à Village, jusqu'à à Maton, 20h30, 21h. Ouais, okay, je vais essayer ça un petit jour. La prochaine fois que je viens à Bouillante, je vais venir sans ma voiture. Par rapport en fait à la question de... Donc du coup, par rapport au business model en fait, des acteurs qui ont essayé de lancer quelque chose, ce que je pense avoir compris, c'est qu'ils essayent de calquer en fait, de copier en fait le modèle d'Uber. Ce que Uber a fait en fait sur Paris. Alors, nous, en fait, on s'est d'abord penché sur, justement, essayer d'appliquer Uber tel quel, en fait, sur Bouillante. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, Uber, en fait, ne cherchait pas à résoudre, en fait, le problème que nous, en fait, on essayait de résoudre. Le problème qu'on essayait de résoudre, c'est essayer, en fait, d'aller chercher, en fait, les gens, en fait, aux petits endroits, aux petits quartiers, en fait, reculés. Essayer en fait de les rabattre, en tout cas de faciliter les déplacements sur de courtes distances et avec un coût en fait proche en fait du transport commun. Donc c'est peut-être en fait sur ça en fait que qu'on se différencie, puisque on vient pas en fait en concurrence avec les taxis, on vient pas en concurrence avec les transports réguliers, on vient pas en concurrence de l'autopartage ni en fait de toute autre forme de transport qui existe là. C'est quelque chose de complètement nouveau en fait, et on cherche en fait à résoudre un problème qu'en fait que aucune des solutions que j'ai citées en fait n'arrive à résoudre. C'est-à-dire essayer en fait de proposer un transport en fait de proximité et comment dirais-je en fait quasi présente. Mm-hmm. Parce que je dis quasi présente, c'est que en fait on m'appelle, j'appelle le service et boum, la personne me dit ok, j'arrive quoi. C'est ça en quasi fait. En temps réel en fait, on appelle et puis voilà, si un véhicule est disponible, on vient vous chercher de suite. Quel est l'apport de l'IA dans ça, dans l'apport de l'intelligence artificielle? C'est le côté intelligent, c'est ça? Non, au-delà de ça, c'est vraiment d'optimiser au maximum les trajets et de faire en sorte que les véhicules ne circulent pas à vide. Parce qu'il y a cette problématique-là aussi, hein, de vraiment de maîtrise des coûts. Étant donné qu'on est vraiment sur un transport collectif, donc il y a d'autres personnes hein, qui circulent en même temps que vous et qui vont se déplacer pas du même point A au même point B. Donc il faut effectivement aussi faire en sorte qu'il y ait le minimum d'attente et aussi pour pouvoir se déplacer aussi minimum d'attente aussi pour pouvoir arriver au point B. Donc c'est vraiment l'intelligence artificielle permet vraiment de maîtriser tout ça. Alors, pour comprendre un peu l'importance, hein, donc on essaie en fait de lancer, d'exécuter le service sans toute cette partie IA, etc. Donc, pour être capable d'exécuter le service, donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit là, qui prenne une réservation et qui essaie en fait d'organiser, de dispatcher en fait sur l'ensemble des véhicules, les réservations, tout en essayant en fait de faire en sorte que les véhicules ne roulent pas à vide. Ça va pour 2-3 réservations, et puis au bout de 20, 30, 40. Mais quel est le modèle économique dans cette affaire? C'est-à-dire aussi bien pour les taxiteurs que pour vous? Alors, le modèle économique, c'est en fait les usagers, en fait, ils payent en fait la course. Oui. Et nous, en fait, pour couvrir en fait nos frais de fonctionnement, donc on prélève en fait une petite commission. Et tout le reste, en fait, va en fait au transporteur. Mais l'usager paie à Carano ou bien paie au taxi? Alors, on a développé une plateforme qui permet en fait de prendre en fait les paiements et puis c'est dispatché automatiquement. Alors, l'autre problématique
pour cette région, c'est la couverture informatique digitale. C'est qu'il y a des zones blanches dans cette région. Je ne sais pas si quand on est au sommet de Bouillante, au sommet d'un village, si l'Internet passe là, je ne sais pas. La dernière fois que je suis allé, mon portable s'est éteint, donc je me demande si ça fonctionne bien. Alors, sur cette partie-là, en fait, c'était une de nos craintes. Hein. Ouais. C'était une de nos craintes, cette partie couverture. Parce que, bon, en fait, il faut se dire que Carnoux, c'était sur le projet, en fait, sous sa forme-là actuelle, telle qu'elle existe, en fait, sur Bouillante, oui. C'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, à notre connaissance. Donc, on avait pas mal de craintes. Les banquiers, en fait, nous soulevaient en fait, pas mal de choses là-dessus. Et finalement, on se rend compte qu'à l'usage, bon, c'est pas ça le plus gros frein, la couverture réseau. Parce que bon, les gens sont chez eux, ils ont Internet chez eux, ils ont le téléphone aussi chez eux. Lorsqu'ils se déplacent, généralement, en fait, c'est pour aller au centre-ville. Donc là, en fait, c'est plutôt bien couvert. Là où on s'est rendu compte que bon, on a une copie en fait à revoir, c'est au niveau de l'ergonomie de l'application, où en fait, effectivement, le plus gros de nos clients, en fait, ce sont des personnes qui sont pas très digitalisées. Oui. Et donc, il faut qu'on travaille, en fait, sur, en tout cas, sur l'ergonomie, sur des approches, en fait, qui soient plus intuitives, plus simples possible. On réfléchit à des choses comme, par exemple, utiliser WhatsApp, Messenger, Facebook, etc., pour prendre les réservations. On est en train de développer une collaboration avec l'Université Antilles-Guyane. On essaie de voir en fait si on ne peut pas développer en fait une assistante créole pour prendre les réservations parce qu'on sait qu'en fait une grosse partie de la population est créolophone donc c'est pour faciliter un peu les choses. Assistante vocale créole, ouais. Et quelle sera la suite alors? La suite maintenant, on sait que là c'est l'expérimentation sur la ville de Bouillante. Quelle sera la suite? Ben là effectivement on a l'écoute hein, de collaboration à la fois avec des transporteurs du territoire mais aussi avec des collectivités pour faire en sorte de proposer une solution qui soit complémentaire sur le territoire. Parce que voilà, comme le disait Ronnie tout à l'heure, on n'a pas la vocation à enlever le travail des taxis ou des transporteurs. On veut vraiment que les Guadeloupéens aient un maximum d'offres et qu'ils puissent finalement choisir le service qui leur convient par rapport à. Finalement, au mode de déplacement qu'ils ont à faire, en fait. C'est vraiment ça qu'on veut faire. Et on veut aussi, puisqu'effectivement, la mobilité est vraiment au cœur de l'attractivité et du développement de tout territoire, c'est quelque chose qui est primordial. On souhaite aussi proposer un service qui soit plus proche des besoins des citoyens et aussi plus proche des besoins de certains types de citoyens, des personnes qui, par exemple, âgées. Les touristes, bien entendu, qui n'ont pas forcément envie de louer un véhicule. Voilà, et donc ils veulent passer par Carnoux. Des personnes âgées ont aussi des personnes qui ont des handicaps légers, qui passent aussi par Carnoux aujourd'hui. Et on s'est rendu compte aussi que au niveau du profil de notre clientèle, il y a beaucoup de femmes qui sont seules avec des enfants ou qui sont mariées ou en couple en tout cas, mais dont le mari utilise le véhicule pour aller travailler et la femme se retrouve toute la journée sans voiture pour s'y cogner. Donc on souhaite aussi vraiment répondre vraiment à vraiment un besoin sociétal. Et effectivement, on a l'écoute pour collaborer le maximum possible avec tout le monde. Voilà. L'idée, c'est vraiment proposer. C'est pour ça qu'on l'a appelé Carnoux, d'ailleurs. D'accord. C'est vraiment un service de transport qui est pour tous les Guadeloupéens. Ça veut dire Mabouka se met au créole aussi. J'essaye, en tout cas. C'est pas simple. Chacun essaie de comprendre. Non, mais vous, n'y qu'à prendre vous. Dernière question. Non, c'est bon. C'est bon. Alors, donc, l'appli existe déjà, hein. Android et les deux iOS. Alors pour l'instant elle est fermée à tout le monde. Oui. Elle est ouverte que sur demande parce qu'en on cherche en fait à maîtriser parce qu'on a pas mal de choses en fait à voir, à améliorer. Donc c'est sur demande. C'est d'accord. Sur demande. Bon. On est encore sur une expérimentation. On expérimente des choses et donc on essaie de maîtriser le flux des demandes. Ouais. Bien. On te retrouve dans 15 jours et au stage dans quelques temps. Voilà, il est exactement 14h02. On a un petit peu débordé comme d'habitude le lundi. Je rappelle qu'on a reçu en début de journal le
le maire de la Désirade, Loïc Tonton, avec lui on a fait un petit peu le point sur sa commune, peut-être qu'il aura besoin d'un quart en nous aussi, il faut savoir. Michel Madou, conseiller départemental, président de la commission de développement culturel et aussi du patrimoine, était avec nous, qui n'est bien sûr comme tous les 15 jours est venu avec sa chronique digitale en nous. Sinon l'actualité, c'est la mobilisation contre les violences au CHU, on a vu le reportage et un petit peu la fin, un petit peu particulière de la réception de quelqu'un qui voulait s'interposer. Sinon aussi c'est au CHU, depuis ce matin nous sommes en direct du CHU où la situation est particulièrement grave pour l'instant. Le BIC des soignants a été rasé complètement depuis 3h du matin et à Bastia, dans la région de la rivière du Père, c'est même pas la peine d'y pointer pour l'instant, en tout cas aux dernières informations le pont de la rivière du Père était encore bloqué. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on vous remercie d'être avec nous tous les jours de 12h à 14h ou jusqu'à 14h03, c'est Jordan qui était à la réalisation, et puis on vous retrouve demain à la même heure, 12h30. Merci d'être avec nous.